Bienvenue sur la chaîne de Star Pub Productions. Aujourd'hui, je fais la suite du test de Heavy Land sur mobile, disponible dans la description, parce que j'ai trouvé que ce jeu était prenant. Et au début, je voulais vous montrer un petit peu plus loin dans le jeu. Et puis au final, eh ben non, j'ai repris ma partie à peu près où je l'ai laissée, parce que je trouve ce jeu très intéressant et je voulais te le montrer. C'est parti! Ce programme est présenté par Starpy Productions. Alors, il y a eu des mises à jour sur Heavy Land. Ouais, ils ont créé un petit marché au centre du village où tu peux acheter et vendre les objets que tu as reçus ou gagnés, évidemment. Le son extrêmement fort pour mes petites oreilles. Donc, je voulais vous montrer une nouvelle classe de personnages, mais je me suis vachement attaché à ma sorcière au final. Et j'ai commencé à upgrader ses compétences. Donc, moi, j'étais niveau 5 quand on s'est quitté, et je suis simplement niveau 8. Mais j'ai tellement apprécié que finalement, eh ben, je me suis dit, pourquoi ne pas vous montrer ça directement? Alors, il y a petite... Tac, dans les paramètres, nous pouvons voir que je peux régler la résolution en haute et très haute, et je peux même la régler en ultra haute. Sauf que bah, je l'ai fait, mais ça rame un peu. Alors je retourne en haute résolution. Voilà. Très haute. Haute. Voilà, je vais rester sur haute. Oh, je vais mettre très haute même en fait. Non, je vais mettre très haute. Alors, eh bien, c'est parti! Alors, vous voyez, ici, on a une petite carte. Donc, moi, j'ai débloqué seulement le mode coopération. Donc, je n'ai pas testé encore. Alors, peut-être, je testerai ça dans une prochaine vidéo ou alors dans cette vidéo. Je verrai en fonction de ce qui se passe. Et puis, nous avons deux nouvelles cartes qui sont apparues. En fait, je pense qu'elles étaient déjà là, mais ils ont préféré nous les montrer pour aguicher le joueur. Et du coup, nous retournons au champ de Skylark. Et ça se débloque en fonction de nos niveaux, évidemment. Là, je suis que niveau 8, mais je pense que si j'arrive niveau 12, niveau 15, bah, ça va se débloquer, quoi. Enfin, voilà. Alors, j'ai farmé un peu des squelettes et des trolls, histoire d'augmenter un petit peu mes compétences. Parce que le jeu devient finalement assez vite dur. Voilà. Donc, si tu as un bas level, eh ben, augmente ton level. Le conseil de Starpy, évidemment. Ah, voilà. Ah, attention, petit lag de personnage. Donc, nous retrouvons notre petit village, nous, là où nous l'avions laissé. Et moi, je suis allé un peu plus loin en faisant une petite quête de PLJ. Ah, faut le temps que ça charge. Donc, en faisant cette petite quête de PLJ, j'ai donc ouvert un autre village. J'ai débloqué un sort aussi. Et quand je vais dans mon inventaire, tiens, d'ailleurs, il faut que j'y aille. Je peux équiper dorénavant l'amulette, la petite tiare qui est ici. Et aussi, je me suis aperçu que quand on a plusieurs fois le même objet, donc 2 sur 2, 4 sur 4, etc., on va sur Information. Et dans Information, nous pouvons améliorer notre équipement. Alors, pour le moment, je n'ai pas vu une grande différence, mais il doit y en avoir une. Il doit y en avoir une. Alors, qu'est-ce que j'ai comme botte, ça? C'est quoi comme botte? Information. Qu'est-ce qu'elles ont de particulière? Vitesse de déplacement 0,10, santé 150. Ok, et voyons voir celle-ci. Information. Déplacement 0,43, donc elles sont mieux. Par contre, santé 78. Alors, je vais peut-être changer mes bottes. Bien que... Voilà, hop. Et on les voit afficher sur notre personnage. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Tu vas me dire, c'est normal, Lolo, dans un MMORPG. Mais oui, mais voilà, ils se sont donné quand même la peine de le faire. Et voilà, j'ai effectivement changé de botte. Alors, j'ai débloqué mon petit sort. Alors, ce petit sort, il est cool, tu vois, ça te permet d'aller vachement vite, tu vois. Hop, je vais vite. Voilà. Les boss repop. Ceux qu'on a tués précédemment, ils reviennent. Donc, si on peut, si on a envie, on peut se les refaire et donc obtenir aussi de l'énergie. Donc,
La petite barre bleue qui était en haut à gauche, je vous le rappelle, je ne savais pas trop ce que c'était. Et effectivement, eh ben, c'est nos montées de level. Voilà, tout simplement. Tiens, qu'est-ce que j'ai encore dans le sac là? Ah, il faut que je clique là-dessus, je ne peux pas l'équiper. Donc, vous voyez, là, c'est pour un autre personnage. J'ai deux petits chapeaux qui sont pour d'autres personnages. Je ne peux pas les équiper. Donc, l'arme, c'est pareil. Il faudrait que je change de classe de personnage pour pouvoir les équiper. Et ça, c'est cool, du coup, parce que t'es pas obligé de te retaper tout le jeu à aller buter du monstre pour choper ça, quoi. Hein? Et moi, hop, je suis pas débile. Voilà. Tac. Et voyez, les ennemis, eux, par contre, sont un peu cons. Puisque les ennemis ne viennent pas me chercher en fait. Ils retournent à leur position quand je suis trop loin d'eux, quoi, tout simplement. Alors du coup, quand tu es face à un ennemi un peu dur, tu t'éloignes, tu reprends ta vie et puis tu y retournes. Hop, et quand ils sont trop près, voilà, le petit sort de feu, il est pas mal. Le petit sort de feu, il est pas mal. Parce que quand on est encerclé, eh bien, ça fait mal. Hop, tu vois. Voilà, je suis allé derrière lui. Alors par contre, c'est un peu délicat à gérer. Mais en gros, on avance vachement plus vite comme ça. Ah, c'est vous la personne dont tout le monde chante les louanges. Pendant une seconde, j'ai cru qu'on allait devoir rivaliser. Mais je ne vois là qu'une misérable petit rat de seconde zone. Oh, tu te calmes, ouais? Pathétique, je suis sûr que vous n'aurez même pas le courage de m'aider à vaincre la monstruosité corrompue. Quoi? Vous pensez vaincre ce démon? Bah, un verre tel que vous ne l'avez pas la l'ombre. Ouais, c'est pas écrit très français là par contre. Mais vous pouvez toujours essayer si vous insistez. Un monstre en moins, un vermisseau en moins. Quelle différence! Rendez-vous en enfer, petit soldat. Je suis pas un soldat, je suis une sorcière. Non mais oh! Tu sais même pas faire la différence entre un soldat et une sorcière? Bah dis donc. T'es pas très doué comme PLJ, toi, hein? PNJ, personnage non joueur. Alors regarde, hop, tu vois, c'est à 80 mètres. Eh ben non, c'est plus qu'à 20 mètres. Wow. Ah ouais. Wow. Elle m'a empoisonné, la coquine. Alors, va falloir vite que je m'en débarrasse. Ah. Créature corrompue, là. Et recule, tac. Ah. Heureusement que j'ai farmé du niveau parce que je me serais fait éclater. Hein. Donc j'ai reçu 2000 d'expérience et vous voyez la barre bleue à côté de la vie a augmenté. Et dans mon inventaire, j'ai chopé des bottes. Qu'est-ce qu'elles ont de mieux ces bottes? Hein, voilà, ça c'est vraiment du RPG. Il faut aller regarder ses caractéristiques santé, c'est tout. Ok, bah non, je m'en fous en fait. Parce que moi ce que j'ai là, c'est mieux en fait. Enfin, si on vérifie. Donc j'ai une vitesse de déplacement de 0,10 en plus et puis de la santé de 150 en plus. Donc je pense que 0,10 c'est des pourcents et 150 c'est vraiment 150. Donc j'ai environ 1349 de vie et je repop ma vie bien plus vite aussi. Hein, je me régénère rapidos. Voilà. Et vous voyez, les boss en fait ont toujours cette petite marque au sol. Et si j'attends, tout à l'heure il y avait un autre joueur qui est venu farmer le boss. Eh ben, je me suis battu avec lui et j'ai aussi gagné des points d'expérience. Et ça, c'est cool. Allez hop, on va voir l'autre là, qu'est-ce qu'il me dit là? Tu m'as pris pour une baltringue, hein? T'as vraiment cru? Eh ben, c'est parti. It's you again. Vous avez eu de la chance. Voilà votre récompense. Non pas que vous la méritiez. Oh. Alors, non merci, je n'ouvre pas de coffre parce que je n'ai pas envie d'avoir de pub. Donc, cette map, finalement, je vais essayer de vous montrer. Bah tiens, il faut que j'y aille, justement, il y a le petit centre au milieu là-bas. Je vais vous montrer le petit village que j'ai trouvé et les petits moulins que j'ai réparés. Hop. Et c'est pareil, plus j'augmente de niveau, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monstres de compétences élevées, tu vois, comme par exemple là c'est des loups-garous. On va essayer de les choper là, les loups-garous sont un peu loin. Ah ça c'est pénible par contre, parce que là je les touche, hein, clairement, là, voilà.
Maintenant, il faut que j'attende qu'il me charge, quoi. Donc l'idée, c'est quand même voilà, de ne pas avoir les quatre autour de moi pendant que je me bats, parce que sinon, je me fais défoncer la nuit. Voilà, hop, un petit coup de lance-flamme, tu vas voir. Hop. Et ça me fait faire du niveau, et ça, franchement, c'est important. Alors, tu vois, le troll, là, par contre, lui, je l'aime pas, lui, parce que lui, il tape, lui. Tu vois, il fait pas semblant, vraiment, il tape. Donc, pas hésiter à lancer son sort de feu. D'ailleurs, il va falloir peut-être que je l'augmente un peu. Ouais, je suis coincé derrière les arbres. Allez, hop là, tape-le, et voilà. Tu vois, je suis bientôt passé niveau 9. Donc, si je vais dans mes sorts. Voilà, lance-flamme améliorée, ben je l'améliore direct. Parce que ça fera des plus gros dégâts et une zone de distance plus élevée. Allez, c'est parti, on y retourne. Là, il faut que j'aille à 200 mètres. Hop, je fais ça, regarde, j'ai plus que 100 mètres à faire. À 140, mais tu vois, en gros, j'ai avancé de 60 mètres. Et pareil, tout à l'heure, j'étais bloqué par une montagne. Et en fait, bah, c'est simple, hein, j'ai appuyé sur le bouton et je suis passé la montagne. Voilà, il y avait une petite falaise qui m'empêchait d'accéder à des monstres. Et j'ai pu m'en débarrasser facilement de cette montagne, non pas en la tuant, mais en gravissant le mont. Alors, voilà, le petit village, il est en face. Tu vois, j'ai ouvert une petite zone de village, du coup. Aefnod. Vous vous êtes bien battu jusqu'ici, mais nous avons tous besoin d'une pause dans la chasse aux démons de temps en temps, non? J'ai une autre genre de mission pour vous, qui pourrait vous aider à trouver la véritable source du mal qui infeste ces terres. Ok? J'ai marqué sur votre carte l'emplacement des cinq parchemins. Ouais, donc, je vais chercher des objets, quoi. Ouais. Tu vois, par exemple, là, il y a la rivière. Et bah, si je fais ça, ouf, je passe la rivière. Et ça, c'est cool. Tu vois, ça c'est le petit moulin que j'ai réparé, tu vois. Voilà. Voilà. Petite maison dans la prairie. Wow. Qu'est-ce qui leur arrive? Là, tu vois, c'est un autre bonhomme là, un autre joueur qui est là. Hop, j'ai récupéré le parchemin. Parchemin, voilà. Il y a un autre joueur qui m'accompagne. Tu vois, et justement, quand un autre joueur t'accompagne, bah lui aussi donne des coups aux autres. Et c'est sacrément cool. Parce qu'on se débarrasse beaucoup plus vite des ennemis. Et voilà. Tu vois, lui, il a posé un petit chapelet. Tu vois, ça, je pense que c'est une compétence qu'il a, lui. Qui permet de ralentir les monstres. Par contre, si tu me piques tous mes kills, moi, j'augmente plus mes niveaux. Alors, faut arrêter de me piquer mes kills. Ah ouais, il fait du dégât lui. Eh, ouais, je suis allé trop loin là. Ne pas oublier de ramasser l'or, évidemment. Voilà. On est à peu près le même niveau du coup, et ça c'est cool. Non, laisse-moi, c'est mon or. C'est mon or. T'auras pas mon or. Ah, alors là-dedans, tout à l'heure, il y avait un gobelin. Si je dis pas de bêtises, ou un troll déchu. Voilà. Qui vient d'être tué par quelqu'un. 100 mètres. Allez, hop, avance. 60 mètres. Ah, par contre, ouais, c'est un peu déroutant la téléportation, là, du coup. Ah, je suis coincé dans les stalactites. Non, mais oh. 2, 1. Oh, qu'est-ce qui se passe, là? Voilà, il est réapparu, le vilain pavot. Mais ça va, j'ai réussi à le battre une fois, je vais le battre une deuxième fois. Oh. Mais pris pourquoi là? Oh, par contre là il me fait mal, il me fait mal. Niveau supérieur, tu vas pas m'avoir. Là, garde. Toi t'as pas beaucoup de vie, je te spam et c'est salut. Voilà. Non mais oh. M'as pris pour qui toi aussi là? Hein? Donc le truc c'est que la magicienne elle est pas là pour le corps à corps, elle est vraiment là pour se battre à distance. Par contre, le truc il est à 30 mètres, mais il est à 30 mètres derrière la montagne. Ah, je suis pas passé au bon endroit quoi.
Est-ce qu'on peut pas passer par là? Si je fais ça, là, qu'est-ce qui se passe? Non, elle veut pas. Donc je vais être obligé de faire le tour de la montagne. Alors, on peut poser aussi. Tout à l'heure, j'avais, mais j'ai plus. Du coup, j'ai relancé la partie. Je pouvais lancer un petit sort de téléportation, ce qui me permettait en fait de revenir à l'endroit exact où j'avais déclenché mon petit portail. Donc en fait, ouais, voilà, il est juste derrière. Donc là, tu vois, je peux pas monter, je peux pas passer. Alors si je peux pas passer par là, est-ce que voilà. Tout à l'heure, j'ai fait comme ça pour monter et je suis monté. Ah non, elle veut pas, hein. Mais laissez-moi tranquille, bande de serpents là, bande de squelettes là, oh, vil monstre. Ah si, je suis en haut de la montagne, en haut de la cascade du coup. Ah si si, tu vois, j'étais en bas il y a 5 secondes. Et du coup, tu vois, le fait d'avoir bougé, c'est cool. Par contre, il est où ce parchemin là? Oh. Ben, il est à 50 mètres en dessous de moi, d'accord, mais il doit y avoir une autre entrée alors, c'est pas possible ça. Tu vois, je suis coincé dans le rocher là. Je suis coincé sur les rochers. Ce n'est pas pour m'arranger tout ça là. Donc, ah, voilà. Il est juste en dessous de moi, mais comment ça il est juste en dessous de moi? Il doit y avoir une autre entrée quelque part. Je comprends pas du tout là. Comment ça, je peux pas récupérer le parchemin? Leader vous appelle. Mais moi, j'ai pas envie que le leader il m'appelle. Téléportation interrompue. Ah. Oui, mais non. Parce que c'est pas du tout sur ma quête, ça, moi. Ah voilà, là on est en multijoueur, mais moi je suis à 500 mètres de mon point maintenant. C'est gentil toi, mais non. Moi je veux retourner faire ma quête. Ah mais lui il a peut-être découvert comment y aller en fait, ok. Ouais, du coup on s'entraide quand même quoi. Eh, petite chauve-souris, la crève. D'accord. Donc le leader, il peut appeler des gens. Ok, ça c'est cool. Ah, tu vois, je découvre le jeu en même temps que vous, hein, finalement. Et je découvre que j'avais lu que le joueur qui a le niveau le plus haut, eh ben, peut appeler des collègues. Mais du coup, bah, maintenant, je comprends ce que c'est. On ne fait pas partie d'une team, mais il peut quand même m'appeler. Voilà, parce que lui, il galère aussi tout seul, forcément. Forcément. Et il a un niveau légèrement plus haut que le mien. Et forcément, s'il me pique mes kills, comment on fait? Moi, je veux aller chercher le parchemin qui est à 300 mètres. Ah, il faut suivre le chemin, en fait. D'accord. Lui, il se fait pas chier, il suit le chemin. Ouh là, il y a des hordes là par contre. Allez, vas-y, tapez là. Troll. Faut me laisser avoir par des trolls, non mais oh, tu m'as pris pour Bilbo, quoi. M'a pris pour Bilbo Saké. Alors attends, faut que je fasse tac. Je vais augmenter un petit peu ma vitalité. Et puis voilà. Non, pas quitter la partie. Non, je veux pas quitter la partie. Je reviens. Hop. Et qu'est-ce que j'ai là? Je peux augmenter un sort. Un nouveau sort. Et ben je le débloque. Voilà. Oui, mais si tu m'attends pas, on fait comment là aussi? Il me dit viens, mais en même temps il s'en va. Alors bon, et on est revenu en arrière en fait.
Alors, c'était pas vraiment très très malin ça. Tu vois, on le voit ça avancer lui aussi avec sa. Voilà, comme ça vous montre une autre classe de personnage. Regarde, hop, lui il peut aller plus vite en faisant ça. Donc il a dû augmenter sa vitesse, je pense. Ah, mais il a trouvé le chemin pour y aller quand même, si si. En fait, il fallait faire le tour de la cascade. Et moi j'y étais déjà là-bas. Voilà, laissez-moi tranquille. Par contre, mon nouveau sort, il est où? Ça, j'ai pas compris où était mon nouveau sort. J'ai pas compris où était mon nouveau sort. Ouais, troll sombre, ça c'est fait. Allez, mais laissez-le tranquille là, oh! Tu vois, il m'attaque même pas. Lui, il est parti se repoper de la vie. Parce que le troll sombre, il fait quand même tout à fait mal, hein, 45 à chaque fois. Mais voilà, il vient récupérer son expérience. Ok, qu'est-ce qu'ils ont laissé? De l'or? De l'or, ok. Alors attends, parce que moi je vais aller dans mes paramètres là vite fait. Et ça c'est fait quoi? Je peux pas l'équiper ça, ok. Non, je peux pas l'équiper. D'accord. Donc il est déjà équipé de base. Ouais, tu vois, comme ça on fait le jeu à deux. Et ça c'est cool, tu vois. T'es pas obligé de faire ta quête tout seul. Des fois il y a un copain, il est là, il t'aide. Et ça c'est cool. C'est le MMORPG, le vrai MMORPG comme dans le temps. J'ai remarqué aussi que du coup, bah on était trois, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, ouais, est-ce que je suis allé là? Ah, ça, c'est bien, mais c'est pénible en même temps. Ouais, on est trois. Par contre, est-ce qu'on s'éloignerait pas du truc principal là? Parce que moi, je veux bien farmer, farmer, mais. Ouais, on s'est éloigné un peu du truc. Hein. Tu vois, il a 1000 de vie. Là, face à nous deux, il va pas faire un pli. Et il tape même plus, regarde. Il me le laisse. Et il me le laisse. Il a eu un bug. Sa maman qui l'a appelé pour aller manger. Ah, je dis ça en même temps, il est 4 heures de l'après-midi. Non, mais pourquoi j'appuie sur ce bouton à chaque fois, moi, toi? Le truc, c'est que je me pape derrière les ennemis, mais alors tellement derrière les ennemis que ça en devient presque agaçant. Parce que j'appuie sur le mauvais bouton à chaque fois. Bon, c'est pas tout, mais à 160 mètres le truc, moi j'aimerais bien aller le récupérer là, tu vois. C'est gentil, Michel, mais. Mais tu te débrouilleras pour passer tout seul, parce que moi ce que je veux, c'est faire ma quête. Et moi, ma quête, elle passe par là. Tu vois, si je regarde la carte. Elle est en dessous, moi, mon truc. Alors, du coup, toi, tu les récupères, mais moi, va falloir que je retourne les chercher, quoi. Alors, t'es gentil, Michel, hein. Mais pourquoi elle avance pas, là? Voilà. Tu vois, moi, il est en dessous, là. C'est celui-là qu'il faut que je récupère. Et je peux pas le récupérer parce qu'il n'y est plus. Alors, du coup, faut que je retourne dans la grotte. Je n'ai pas le choix. Et comment je fais pour récupérer ce truc puisqu'il n'est plus là? Voilà, il est là maintenant. Eh ouais, Michel, t'avais oublié de le prendre tout à l'heure, hein? Je l'appelle Michel, mais il s'appelle Knopox 73521. Bon, du coup, ça fait un peu beaucoup de chiffres. Voilà. Donc, t'as fait tout le tour de la montagne pour rien. Mais au moins, on a découvert une nouvelle classe de personnages et qu'on pouvait aussi s'entraider entre joueurs. On n'est pas obligé d'être solo, quoi. Le troll déchu, là, il va pas faire un pli, tu vas voir. Boum. Et tu vois, lui, il pose sa petite tourelle, là. Et apparemment, la petite tourelle, ça ralentit les ennemis et ça leur fait perdre un peu de vie. Donc, c'est pas un mage, mais c'est cool quand même. Hop, tu vois, j'ai plus de que toi, Na. Bon, l'autre, il est là-haut dans la montagne. Ok, donc on va faire le tour par le chemin de droite.
Voilà, on va passer par là. Et ça devrait le faire. Voilà, il est là. À 60 mètres. En plus, je pense qu'il est niveau 10. Ah merde, je me suis trompé de bouton, encore une fois. Oh, ils sont trop près, les boutons d'attaque et de... Voilà, je prends mon parchemin. Et je suis bien content d'avoir une nouvelle personne pour jouer avec moi, bien que nous ne communiquons pas. Parce que je pense que communiquer avec une personne comme ça va être un peu compliqué. Je pense pas qu'il soit français. Voilà. Eh, laissez-moi tranquille. Je prends mon parchemin là. Voilà, j'ai réussi ma quête. Donc si je fais téléportation, malheureusement, je vais directement au village. Et moi, c'est pas au village que j'ai envie d'aller. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais un truc en plus, c'est que je pouvais attirer les autres joueurs vers moi pour m'aider dans ma quête principale et éventuellement les aider eux aussi. Alors tu vois, ceux-là, ils sont pas beaux, ils sont vraiment durs, tu vois. Parce qu'ils me font du mal, tu vois. Bah, tout à l'heure, en tout cas, j'ai perdu une vie. Et j'ai perdu une vie avec ça. Mais là, du coup, vu que j'ai monté de level, j'ai l'impression qu'il est plus là, quoi. Enfin, il est là, quoi, mais il est plus là. Voilà, et hop, salut. Donc tu vois, je suis bientôt level 10, et j'aimerais bien passer level 10 avant d'aller plus loin. Et oui, il va m'aider. Là, je spamme le bouton, je spamme le bouton, je spamme le bouton. Je recule et je spamme le bouton. Je recule et je spamme le bouton. Et voilà, t'es mort. Voilà, niveau supérieur atteint, je t'avais dit que tu m'aiderais. Donc il faut que j'aille à 500 mètres par là-bas. Et ce que je peux faire, c'est ça. Ah bah si, du coup, c'est dans le village qu'il faut que j'aille là, non? Ah oui, donc bah, je vais me téléporter, en fait. Voilà, tout simplement. Téléportation Spock. Spock Enterprise. Alors. Alfnod, toujours aussi fiable à ce que je vois, ces parchemins magiques pourraient vraiment pencher la guerre en notre faveur. Prenez votre récompense. Non merci. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon petit équipement? Nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Information. Dégâts 2, chance de coup critique 1,5%. Ok. Est-ce que j'avais déjà là? Qu'est-ce qu'il me disait? Dégâts 3, santé 25. Donc je récupère 25 de santé à chaque fois. Ben non, je vais équiper celui-là. Voilà. Parce que j'ai envie de changer d'anneau. L'anneau de pouvoir! Pas n'importe quoi. Alors, nanana, j'ai des bottes niveau 2, j'ai des... Hein, j'ai pas grand chose d'autre à changer. Hein. Ah, tiens, j'ai des nouvelles bottes là. C'est quoi ces bottes? Information. Vitesse de déplacement, santé, découverte magique. Ah, bah, je vais équiper cet objet-là. Il a l'air cool cet objet-là. Hein, ne pas hésiter à aller dans son inventaire, regarder ce qu'on obtient et puis adapter sa façon de jouer. Donc, chance, je vais mettre un peu de chance, mais je vais surtout mettre. Un peu de vitesse et un peu de vitalité. Hop. Ah mince. Hop, faut que je retourne parler à un PNJ, sinon j'ai pas de mission à faire. Voilà, je parle au PNJ. Eh, vous vous souvenez de ces parchemins magiques que vous m'avez ramenés? Bah oui, je viens de te les donner. J'ai essayé sur les monstres près de Crodric, des chiffres, mais impossible de les trouver, comme s'il avait disparu. On dirait bien que les ennemis ont kidnapper Godric, blablabla, va chercher Godric. Libérer Godric le prêtre. D'accord. Allez, eh ben on va aller. Si je fais téléportation dans le village, il me remet où? Il me remet dans le village, tu crois? Ils sont assez bêtes. Ouais. Spock, le téléporteur ne fonctionne plus! Ah voilà, je voulais vous montrer le marchand. Donc, chez le marchand, voilà, je peux racheter une allumette, une amulette, une allumette, une amulette. Ou alors, tiens, je vais acheter ça. Voilà, comme ça j'en ai deux, je vais pouvoir l'augmenter.
Et puis, je vais acheter ça. Comme ça, j'en ai deux et je vais pouvoir l'augmenter. Donc, je retourne dans mon petit inventaire. Et dans mon petit inventaire, comme ça, je peux vous montrer. Hop, information. Et je peux améliorer l'objet. Voilà. Et je peux l'améliorer autant de fois qu'il y a de cases. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici sur l'amulette information? Et je peux... Non, je ne peux pas l'améliorer. Si je peux l'améliorer, bien sûr. Donc, santé plus 217 et je suis résistant au feu. Voilà, je suis un pompier. Ok, le jeu a planté. Ça recharge. Jouer. Donc j'ai été déconnecté. Voilà. Alors, tout à l'heure, nous devions sauver Godric. Malheureusement, ma capture s'est arrêtée. C'est ballot Starpy, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, c'était la dernière quête que je faisais. Alors, si tu aimes ce jeu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou à aller dans la description pour le télécharger. Et peut-être qu'on se retrouvera dans la ville de... J'ai oublié où c'était. C'est pas grave. Du coup aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Je vous montrerai très certainement la map suivante dès que j'en serai là, en fait. Voilà, du coup, ça fera un prochain jeu test pour vous. J'espère que ce test vous aura plu et à bientôt sur Starpy Production. Salut, salut. Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne de Starpy Production. Et aujourd'hui, je vais faire la suite du test. Tu me coupes mes intros. Oh, t'es comme ça, toi. Hey, petit bonus. Tu me coupes mes intros, toi. Bah oui. Ce programme est présenté par Starpy Productions.